tout le monde, c'est Legender et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Devil May Cry 5. Actuellement, l'épisode 3 de cette magnifique série qui s'intitule Chasseur de démons. Et donc, je voulais aller voir, avant toute chose, avant de commencer, ou appeler ça comme vous voulez, je crois que je me suis failli, j'avais des points à attribuer dans des techniques. Dante, calme-toi. Laisse-leur un moyen de survivre. Tu te souviens de cet endroit? Ouais, je suis déjà venu là. Notre mère nous amenait souvent ici. Explique-moi tout. Certaines choses sont là depuis toujours. Les anges ont toujours existé. Les démons ont toujours existé. Ainsi que la guerre qui les oppose. Il y a 9000 ans, un démon est sorti du rang pour prendre le contrôle des armées de l'ombre. Le plus fort, le plus cruel. Mundus. Mais Mundus n'était pas seul. Il avait avec lui son fidèle lieutenant. Son frère de sang. Sparda. Mais Sparda l'a trahi. Il est tombé amoureux d'un ange, Eva. Qui est donc la L'union secrète d'un ange et d'un démon était inconcevable. Mais elle s'est produite. Et elle fut suivie d'une naissance. Celle de jumeaux. Toi et moi. Des hybrides d'anges et de démons, les deux races rivales. Ouais. Lorsque Mundus apprit la trahison de Sparda, sa colère fut sans limite. Il pourchassa les deux amants. Tua Eva de ses propres mains. Et exigea pour Sparda un destin plus cruel encore. Châtiment et souffrance éternelle. Mais lorsqu'Eva fut détruite et Sparda emprisonnée à jamais, tout le monde savait que les graines de la vengeance avaient déjà été semées. Car selon la légende, il n'y a qu'une seule race capable de tuer un roi démon, les Néphilim. Des hybrides d'anges et de démons. Il n'en existe que deux, toi et moi. Bon, eh bien ça promet. Mundus pensait qu'un seul enfant était né. Mais ils étaient deux. Et ils avaient été cachés soigneusement. Sparda arma ses fils. Rébellion pour Dante. Et Yamato pour Vergil. Alors, Mundus a enfermé notre père et tué notre mère. Oui. Et nous, on est un croisement d'anges et de démons. Père démoniaque, mère angélique. Nous sommes des Néphilim. Okay. Les seuls capables de tuer le roi démon. Bien. Comment? Ringuetteur. Putain de collabo démoniaque. Tu te fais entraîner dans les limbes. Je vais chercher Kat, elle va sortir de là. Tiens bon. Donc c'est moi qui suis putain de Chase en fait. Lui il s'en fout, il a pas de problème. Moi, ils savent que je suis là. Bon les amis, en fait, j'ai coupé la musique à cause d'un problème de copyright. En fait, ils me disent que les musiques sont pas autorisées ou un truc comme ça. Mais à mon avis, ils me disent rien de base. Donc, je sais pas, vous en pensez quoi? Je les laisse activer ou pas? On va pas me répondre tout de suite, c'est bien gênant, ça m'empêche de choisir. Apparemment, elles sont visionnables. Il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que je vais les laisser activer. C'est toujours mieux, quoi. Ça va, j'ai l'air de s'en sortir.
Easy. Qu'est-ce que c'est ça? Un ravageur. Mon pote, écoute, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça ne changera rien au fait que tu es déjà foutu. On peut pas mettre ses points de compétence. Oh. Oh, aïe. Pas cool. Oups. Wow. C'est quoi le problème? Tu veux traverser? Faut que je trouve un autre chemin. Et en l'occurrence, c'est pas toi qui dois trouver, c'est moi, évidemment. T'as autant de vie. Débile. Bon. J'ai l'impression d'avoir déjà trouvé mon chemin, personnellement. Qu'est-ce qu'on va prendre? Rébellion, Osiris ou... Rébellion, c'est pas ma préférée. Moi, ma préférée, c'est Osiris et Arbitor, quoi. Le combo. Ebony. Ivory, vous m'avez manqué. Alors au sol, 3 coulants et puissants, niveau 2 dégâts accrus. Dante concentre son énergie démoniaque pour lancer une formidable frappe à triple dégâts. Donc ce que je vais faire les amis, c'est que Rébellion, excuse-moi, t'en as pas besoin. T'en as pas besoin. Nuit de coups, c'est quoi ça? Rébellion, le problème c'est que c'est pas la plus marrante. Bon, on la remettra plus tard, si besoin est. Voilà, mais pour l'instant c'est Arbiter et ça qui me font tous les dégâts. Tac. Tac. Pause. Démoniaque pour... Dante concentre son énergie démoniaque pour lancer une formidable frappe à triple dégâts. D'accord. Secousse. Frappe le sol avec sa hache. Pour créer une faille sismique. Élan aérien, élan, lance la chute. Que faire? Destruction de la Trinité. Concentre ton énergie démoniaque pour lancer une formidable frappe à triple dégâts. Ça, ça me l'air très bien. Secousse. Ouais. Est plus longue. La lame explose à l'impact. La cible est située sous Dante. Ouais. Frappe tournoyante. On va aller voir du côté de Osiris maintenant. Hachoir. Dante fait tourner la faux autour de lui, découpant les ennemis à portée. Ouais, ça fait plus mal. D'accord, ça aussi ça fait plus mal. La faux tourne autour de la tête de Dante. Même des pales. Ouais. Enchaînement. Deux fois avant, plus ça. Absorption. Chaque ennemi, une fois complètement chargé, accorde un bonus de dégâts à chaque attaque. Ouais. Ça a l'air fun. Double mise.
ça, ça a l'air largement plus fun. Voilà, retour. Tellement plus de cheat aim. D'accord, et à part ça, je dois aller où? D'accord, encore du fight. Les gars, vous êtes lourds. Easy money. Ok, no problem. Mais j'aimerais jeter un petit coup d'œil. C'est pas moyen de se focaliser uniquement sur Osiris, parce que je sais pas si vous en rendez compte à quel point elle est tellement plus fun à l'amélioration. Genre Arbiter, elle est pas si marrante que ça en fait. Donc ça je veux bien le laisser avec des dégâts accrus. Frappe la triple dégâts. Tac, il fait ça. Bof, ça m'intéresse pas. Ça, secousse. Secousse 2. Jeter en l'air, faille plus longue. Ça, à la limite, je veux bien. Chut. Secousse. Non, pas besoin, même pas. Hop, on va laisser jugement. C'est tellement plus utile. Par contre, Osiris, hein. Broyeur niveau 2. Venez découper vos ennemis en rondelles avec cette extension. Maintenez F pour allonger le mouvement. Maintenu plus longtemps. D'accord. Double mise. La photo tourne autour de la tête. Et... faux mise. La photo tourne autour de la tête dedans, telle des pales de rotor. Elle l'entraîne tout autour. Hauteur accrue, ça peut être marrant. Et broyeur. Absorption. C'est dur de choisir les gens, vous pouvez pas deviner. Non, enchaînement, on va le garder. Double mise 2, non. Et comme ça, absorption. Voilà, on fera plus de dégâts. Hop. Tellement faible. Encore une rose bleue.
attendez. C'est ici que je dois couper la musique. Allez. Vol de l'ange en l'air. Ah, plus ça se passe. Par contre, option. J'espère que ça ne fera pas de copyright. Mais. Bon, les fuck you, ouais. C'est bon quoi. Pas se faire chier à cause de ça. Trop stylé. Je préfère largement Osiris quand même. Ouais. Après, peut-être que Arbiter deviendra encore plus marrant à utiliser par la suite. Ah! Utilisez le l'ange au plus haut de votre saut, vous serez propulsé plus loin. D'accord. D'accord, oui. Ça fait des effets stylés, donc là, je sais. Attendez, c'est pas ce que je crois. Ok, bof, pas trop intéressant. J'ai l'impression. Fail. Ok, bon, j'ai compris. Hop là, on trace. On libère cette connerie. Hop hop. Qu'est-ce que tu caches là? Alors, cette statue hyper glauque va un jour nous faire un coup foireux, vraiment. La Ménaline, c'est une pathologie humaine. Mais tu n'es pas humain, donc. Pathos. Ok, ils ont remplacé le B par un P. Yeah!
Gad, j'arrive. Non, fail. On m'a sorti de ce trou. Silver Sachs, la banque d'investissement la plus puissante du monde. Et qui est à sa tête? Il s'agit de Kyle Ryder, le PDG. C'est l'avatar humain de Mundus, le roi démon. D'accord. La créance est son arme pour contrôler le monde. Pour Mundus, le monde n'est qu'un gigantesque élevage d'âmes humaines. Il préfère que son bétail soit surveillé et docile. La surveillance se fait via Raptor News Network, un réseau mondial de télésurveillance, satellite espion et informateur. Pour ce qui est de la docilité, c'est plus insidieux. C'est-à-dire? Ce que tu tiens, la boisson la plus populaire de la planète, Virility. Il a changé la formule. T'en fais pas, ça n'a pas d'effet sur nous, seulement sur les humains. De la lobotomie en canette. C'est quoi ton plan? Voici la porte de l'enfer. C'est de là que Mundus tire son pouvoir. Lorsqu'il y est connecté, il est immortel. Il suffit de briser ce lien, et nos épées feront le reste. Et comment on fait ça? On attire son attention. Il est arrogant et impulsif. Si on arrive à attiser sa colère suffisamment, ça devrait pouvoir marcher. D'accord. En résumé, pour le tuer, il faut l'éloigner de la porte de l'enfer, et pour ça... on doit le mettre en rogne. C'est à peu près ça, oui. Et tu proposes qu'on se débarrasse de Raptor News Network et de Virility? C'est ça. On commence par quoi? On est un mot un peu trop abusé, d'après toi, Dante, parce que on va tous cogner et eux, ils vont rien foutre. C'est pas beau tout ça? Donc, on va retourner au menu principal. Hop là. Et sur cette magnifique victoire de la mission 3, les amis, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Devil May Cry. Salut tout le monde, ciao ciao, à plus.